Bonjour, madame la rectrice. Bonjour, Philippa. C'est moi le soin de me présenter. C'est Philippa Faye. J'ai une licence en sociologie, mais actuellement je fais gestion des ressources humaines à l'Université Mulder du Sénégal. Cher professeur, vous êtes devenue rectrice au Sénégal le 24 juillet 2019. Vous avez pris service le 9 août 2019. Comment l'avez-vous accueilli et comment vivez-vous cela? Genre, je veux dire par là, qu'est-ce que ça fait d'être rectrice au Sénégal? Merci beaucoup, chère étudiante. Je peux vous dire que je l'ai accueilli avec humilité. Avec humilité, j'ai dit, Dieu merci. On avait une femme recteur, deuxième femme recteur, pourvu qu'il y ait troisième femme recteur. Et Dieu a exaucé mes prières. On n'est pas à 50-50, mais on est à presque ça. Trois femmes, je crois, sur sept. C'est déjà quelque chose en attendant. Je l'ai accueilli avec philosophie. Avec philosophie, et bien sûr, je profite pour remercier encore le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui ne me connaissait pas. Et il l'a dit. Mais tenez-vous bien, c'est sur la base du CV. Mon décret a tardé à sortir parce que, comme ils disent, on ne peut pas nommer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne suis pas activiste, je suis en train de travailler dans mon laboratoire et faire la recherche pour mon pays. Donc, ça a été un plaisir pour moi de servir encore mon pays et de donner exemple aux jeunes étudiantes, aux jeunes enseignantes, aux jeunes doctorantes, à la gente féminine de manière générale, pour leur dire que l'impossible n'existe pas. Parce que c'est une chance d'être recteur femme. Pour moi, ça a été une consécration. Une consécration. Et ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est la réaction de mes étudiants et de mes doctorants. Je ne savais pas que je le méritais. Mais toutes les félicitations, tous les commentaires, c'est que c'est venu à son heure. Elle le mérite. Donc ça veut dire que je me suis battue. Je me suis battue durant toute ma vie, durant tout mon cursus, pour arriver au sommet. Et ça, honnêtement, c'est avec humilité que je l'ai accueilli. Tout à l'heure, madame la rectrice, vous avez dit que c'est une question de tempérament de pouvoir gérer. Maintenant, comment se passe votre cohabitation avec les hommes et les femmes au sein de l'université, compte tenu du fait que souvent, les hommes n'aiment pas être dirigés par des femmes? Oui, c'est vrai que moi, je l'ai dit tantôt. Je ne le sens même pas et je ne le remarque même pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un problème de tempérament. Même si j'essaie de dire qu'une femme ne peut pas être ton patron, je vous ignore. Et je continue. Je vous ignore et je continue. Et heureusement que ça n'a pas été le cas. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est les femmes qui posent beaucoup plus de problèmes aux femmes que les hommes. C'est les femmes. Et ça, je tenais à le dire. Je n'ai aucun problème avec les hommes. Mais le peu de problèmes que j'ai, c'est avec les femmes. Et ça, il faut qu'on fasse attention. Parce que les femmes, je ne dis pas qu'on peut... C'est une question de tempérament. On ne peut pas s'entendre. Mais la femme sénégalaise étant ce qu'elle est, bon... Généralement, le problème se situe à ce niveau-là. Généralement. Mais les hommes, je n'ai aucun problème. Ça se passe très bien. Mais c'est normal d'ailleurs. Parce que l'élite de ce pays, on a tous le même diplôme. C'est une question de chance que tu sois recteur, que l'autre ne soit pas recteur. Mais nous avons tous les mêmes diplômes, les mêmes cursus. Quelqu'un qui est professeur titulaire, il est professeur titulaire. Il a encadré, il a fait des communications, il a enseigné. Donc, c'est une place qu'il mérite. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit des mandats de 2 ans. Après, tu dégages et un autre collègue va venir. Et c'est ça, la vie. Et il faut qu'on le comprenne comme ça, qu'on essaie de travailler pour l'institution. Par contre, les femmes, ce que j'ai dit, nous devons apporter un plus. Un plus, c'est quoi? C'est innover. Nous devons innover. Parce que si on n'innove pas,
Ben, ça peut pas marcher. Il faut amener la touche féminine. La touche féminine, c'est vraiment le sacerdoce. Essayer d'amener nos universités, je dis pas là où les hommes ne pouvaient pas l'amener, mais de faire autant que les hommes, sinon plus. Moi, je dis toujours que les femmes doivent faire plus que les hommes. Parce que nous, c'est notre instinct, l'instinct de la femme, qui fait que nous devons travailler vraiment plus. Parce que si on dit que c'est pour montrer qu'on peut faire plus que les hommes, ça veut dire déjà qu'on avait un complexe. Et moi, je n'ai jamais eu de complexe par rapport aux hommes. D'ailleurs, c'est quand je suis très jeune qu'on m'appelait Boymar. Ah, donc, pour vous dire que pour moi, ça m'est complètement égal. Il faut travailler et croire en ça et essayer de donner des résultats. Il ne faut pas être trop timide dans la vie. Vous êtes des étudiants, il y a des associations. Bon, vous, de votre temps, c'est peut-être ce que vous faites là. Mais de notre temps, il y avait ce qu'on appelait les foyers, il y avait ce qu'on appelait les clubs anglais, les clubs espagnols où on s'exprimait. Maintenant, vous avez des bâtons, c'est ce que vous appelez, vous les jeunes là, des bâtons. Vous avez plein d'activités, mais il faudra vraiment mettre du punch dans ce que vous faites. Hein? D'accord. Merci. Merci beaucoup, professeur Codemar Diop, pour ces belles réponses. En effet, vous avez même anticipé les réponses. Hein. C'est vrai qu'on veut connaître les relations entre les hommes, mais aussi les relations avec les femmes. Et ça, vraiment, on aura besoin de conseils dessus, parce que même moi, à mon niveau, je le note aussi. Mais peut-être que nous, en sociologie, on l'explique à beaucoup. Par exemple, quand on va en Europe et que les Noirs sont des dominés, c'est les questions de dominants dominés. Quand on va quelque part où il y a les Noirs, ce sont les Noirs qui vont plus nous poser problème. Et comme on est aussi quand même dans une relation de dominants dominés entre les hommes et les femmes vont plus se sentir en sécurité, plus avoir tendance à obéir aux hommes, plutôt que de collaborer de la même manière qu'elles le font avec les hommes. Donc, c'est vrai que je ne sais pas comment on pourrait faire pour dépasser ça, en tout cas dans notre milieu professionnel. Ce serait bien de faire des conférences. Et même ces gens d'entretien pourraient éclairer certaines collègues à dépasser, en tout cas les collègues et les collaborateurs du milieu universitaire, c'est ça. À dépasser cette étape.